Bonjour à toutes. Alors, je vais faire un petit live du matin. Coucou les filles, salut. Alors là, je suis au salon Creativa à Nantes. C'est le dernier jour et j'ai pas pris le temps de vous faire de live. Donc, je vais faire ça assez rapidement ce matin pour que vous voyez l'envers du décor. Le salon vient d'ouvrir. Donc, il y a une super déco avec un méga bonnet. Le méga bonnet de Noël. Ici, vous avez notre stand avec Dodinette, le magazine Idées à faire, Karine, Perrine, Cécile. C'est le stand où on fait les ateliers. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, là, il va y avoir un atelier avec Karine Pendo. Donc je vous montre le stand du magazine Idées à faire. Alors, le dernier numéro qui est sorti, où vous pouvez retrouver le vanity de Dodinette et les porte-couverts que j'ai fait pour Noël. Vous pouvez aussi avoir tous les anciens numéros, bien sûr. Donc, sur le blog, vous allez dans la rubrique code promo et vous verrez, j'ai une formule abonnement pour vous à prix canon. Voilà, voilà, donc le magazine Idées à faire. Alors, je vous propose là maintenant de découvrir DécoCuir. Alors, DécoCuir, c'est un site de vente en ligne, mais ils font le salon, ils ont aussi une boutique en physique. Et ce qui est génial ici, c'est qu'on peut vraiment se rendre compte de la qualité des cuirs. Et c'est Canon, de chez Canon. Alors, ils ont les petites bourses qu'on peut acheter sur leur site internet, sur DécoCuir, d'accord? Là, il y a des cuirs. Alors, ils ont différentes tailles de cuir, en petite feuille type carte postale, en feuille plus grande. Et il y en a des très, très, très originaux. Alors, dès que cuir, ils font aussi les kits. Et vous avez des peaux magnifiques. Enfin, que je trouve magnifiques. Alors les prix sont vraiment super corrects. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais les peaux, elles sont assez grandes. Donc c'est sur DécoCuir, vous pouvez retrouver tout ça. Là, je les ai touchés, je peux vous dire que c'est de la qualité. Ça rassure vraiment. Hein. Voilà, donc ça, c'était un stand que je voulais absolument vous montrer. Parce qu'ils ont un site de vente en ligne et qu'on ne sait pas forcément chez qui on commande. Mais regardez tout ça. Bonjour, bonjour, ravi que vous soyez toutes là au rendez-vous. Donc là, c'est le stand de DécoCuir. Ah oui, non, mais il y a tout ce qu'il faut. Hein. Donc vous allez voir sur leur site internet, moi j'ai vu les produits en vrai et c'est carrément canon. Hein. Franchement, la qualité, elle est au top de chez top. Alors après, je vais vous montrer une exclusivité que seulement Joël Tissu a. Donc voilà, voilà, je vous montre ça. Donc sur le site de Joël Tissu, vous pouvez retrouver Harry Potter. Vous pouvez retrouver tous les tissus avec les super-héros. Donc Joël Tissu, elle fait tous les salons qu'il y a un peu partout en France, mais il y a aussi son site internet. Donc sur le site de vente en ligne, vous pouvez avoir, regardez-moi ça. Voilà, voilà. Donc il faut surveiller son site de vente en ligne parce qu'elle en reçoit souvent. Et c'est la seule à faire ces tissus-là. Alors elle a des petits carrés de jacquard et des gros carrés de jacquard. Vous voyez les carrés de jacquard? Voilà, voilà. Donc c'est Joël Tissu, le site de vente en ligne. Elle a aussi un magasin, mais pour celles qui sont loin, il y a un site de vente en ligne. Et elle est sur tous les salons aussi. Voilà, elle a fait faire du simili-cuir qui est trop canon. Voilà, ça c'est imprimé sur du simili-cuir. Oui, le super simili-cuir, ouais, il est là. Voilà. Donc elle a beaucoup de choix en simili-cuir, en suédine double face et en toile à sac. Oui, c'est la caverne d'Ali Baba, effectivement. Donc je vous fais un petit tour vite fait du salon parce que bah, ça va vite se remplir. Hier, j'ai eu le temps de faire un petit tour pour repérer mes coups de cœur. Donc ici, vous avez des kits pour réaliser des sacs.
Je vous montre encore Doty Rose, je vous la montre à chaque fois sur les salons. Elle a des super tissus. Je vais essayer de pas trop filmer les gens. Oui, à Paris, j'y serai fin novembre, ça va être génial, j'ai hâte aussi de vous rencontrer. Donc là, on a le célèbre stand de tissus de la mine. Hein. Vous avez tous les coupons de tissus. Donc il est partout aussi, hein. Il fait tous les salons. Vous voyez, il y a du mèche dans plein de couleurs différentes. Alors ensuite, ben, il y a plein de, vous voyez, des stands avec de la mercerie. Wow. Ah, tu fais gaffe, toi aussi, à ton portable. Alors je vais vous montrer également un stand qui a un site de vente en ligne. Donc c'est www.puce-couturière.com. Et alors là, pour trouver vos accessoires de sacs, de porte-monnaie, les fermoirs, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle a absolument tout. Et maintenant, en plus, elle fait des ouvertures de son stock certains jours par mois. Donc vous pouvez vous renseigner et regarder sur son site. Vous voyez, mais il y a vraiment plein de choses. Et les prix sont tout à fait corrects. Alors là, on a vraiment des mousquetons super qualité. Voilà. Donc en fait, c'est puce-couturière.com si vous voulez vous renseigner. Et alors, vous voyez, en fait, il y a certains jours par mois, deux jours par mois, où elle ouvre particulier aux professionnels. Voilà. Donc c'est dans le 17 à Aulnay de Saint-Onge. Voilà, voilà. Donc je vous ai montré tout ça. Bonjour. Alors j'arrive sur un site où je pense qu'on va me présenter les produits. Tout à fait. Dites-moi tout. Monsieur FK, une femme, une robe. C'est vrai? Tout à fait. Où on présente effectivement la robe en kit. La robe en kit. Vous choisissez la forme de votre robe, votre imprimé parmi 9 couleurs au choix, votre niveau de couture, et vous n'avez plus qu'à construire votre robe chez vous. Alors ça, je ne connaissais pas du tout. C'est quoi ton prénom? Caroline. C'est toi qui as créé? C'est monsieur. C'est monsieur qui a la création. Monsieur je me FK. Permets de vous présenter monsieur FK. Voilà. J'ai envie de vous rencontrer. Voilà. Donc monsieur FK, donc vous voyez son concept, il est super sympa. Voilà, voilà. Donc il suffit d'avoir une machine à coudre, on choisit la forme de la robe, le tissu, le niveau de couture et on reçoit un super kit. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site internet, là je vous le filme. Et puis bien sûr, ils sont sur Facebook et Instagram. Voilà, voilà. Donc je vais vous mettre les liens après la vidéo. Je vous mettrai les liens, je vais prendre une petite carte. Et je vais vous mettre les liens de la boutique en ligne, d'accord? Comme ça, si vous voulez regarder, je vous fais ça dès que j'ai fini la vidéo. Regardez-moi ça. Ah, il y a une belle licorne aussi. Merci beaucoup, monsieur FK. Merci. Voilà, mais ça, c'était un petit truc marrant. Et là, on arrive sur Cherry Shop Fabrique. Alors, je vous en ai déjà parlé de Cherry Shop Fabrique. Ouais. Parce qu'en fait, elle a des jerseys. Les petits brillants, les petits fluos. Ici, on a des jerseys qu'on ne trouve pas ailleurs, vous voyez. Elle a un site de vente en ligne aussi. Alors, et elle vend du motif placé. En panneau de jersey pour réaliser des robes et des t-shirts. Il y a de très jolies poplines. Et après, bah, elle a du softshell qui est super sympa et qui change. Hein. C'est des produits qu'on ne voit pas ailleurs. Voilà. Donc, si vous voulez retrouver tous ces produits-là, elle a un site de vente en ligne. Donc, c'est Cherry Shop Fabrique. Alors après, je vais vous montrer un truc super sympa.
Donc je vous montre quelqu'un qui tricote avec ses mains. Et regardez, donc elle a fait le sapin, le gros bonnet de Noël qui est à l'entrée. Voilà, voilà. Donc Anna Philwood, Wool. Donc je vais aller voir Anna. Donc Anna, c'est toi ? Oui, bonjour. Bon, Anna, donc je vous la présente. Donc tu as un site de vente en ligne ? Pas du tout. J'ai fait mon concept, c'est des ateliers à domicile. Ok. Pour des ateliers créatifs pour les enfants, ouais. Pour les mamans, les copines, ateliers mère-enfant. Et ateliers également dans les entreprises. Dans les CE d'entreprise, d'accord. Et si elles veulent des infos ? Si elle veut les infos, j'ai quand même un site internet. Ah, voilà, c'est voilà. Important ça. Donc, annafilwool.com. Ok, je vous mettrai le lien juste après la vidéo en dessous, annafilwool.com. Voilà. Et tu voyages dans plusieurs coins de France ? Alors, je suis plutôt à Nantes. Nantes. Même à Nantes. D'accord. Ok, d'accord. En tout cas, elle a des super idées créatives. Et pour celles qui sont dans le coin, vous pouvez la retrouver en atelier, la faire venir à domicile ou dans votre entreprise. Voilà, donc c'était Anna. J'avais trouvé ce truc super sympa. Et alors, le bonnet de Noël qui est à l'entrée, il a eu trop de succès. C'est pour ça que je voulais vous montrer son stand. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Beaucoup, beaucoup. Donc ici, en fait, on a une petite expo. Non, sur Bordeaux, il n'y a pas de salon de prévu, a priori. Hein. A priori, il n'y a pas de salon de prévu à Bordeaux. Et donc là, on a un stand que j'ai jamais vu avant, mais peut-être qu'ils doivent faire quand même les salons. Donc www.inke.art-art.com, d'accord. Voilà, donc ils ont des coupons de tissu. Donc c'est un salon DIY, donc là je suis dans le coin un peu couture. Après vous avez toute une partie... comment dire, cuisine, porcelaine. Donc moi, je vais surtout vous présenter la partie couture aujourd'hui. Donc ici, on a des kits à coudre. Bonjour, je peux te poser 2-3 questions ? Ah ouais ? Alors, je vous présente la patronne. Donc, alors, raconte-nous un petit peu ton concept. Alors, je vends des jouets en tissu prêts à coudre. Regardez-moi ça. Voilà. Une vraie merveille. Le produit phare, ce sont les petites maisons. Alors, le produit phare, c'est ça ? Maison, ouais, ça. Et alors, les gens, ils peuvent commander en ligne ? Oui. Oui, j'ai une boutique sur Internet. Donc, je vous mets le lien de la boutique juste en dessous après la vidéo. Donc, vous voyez, il y a aussi des poupées. Il y a même le Père Noël. Il y a d'autres maisons. Il y a d'autres maisons ici. Le terrain de foot. Qu'est-ce qui plaît le plus, là ? C'est vraiment les maisons pour les enfants ? Ah, ouais. Et le terrain de foot ? Le terrain de foot, oui. Mais alors, le tapis de route modulable, d'accord. Il plaît beaucoup. Avec des petits connecteurs, on peut changer la route. Ah oui, d'accord. C'est des carrés voilà. Qui s'associent. Voilà, exactement. À chaque fois, la route se termine au milieu du coucou. Donc, c'est adaptable entre eux. Et donc, les dames, elles reçoivent tout pour coudre avec un tutoriel tout bien expliqué ? Oui, il y a la notice. Ouais. Pas forcément tout, parce que là, par exemple, derrière, il faut prévoir le tissu. D'accord, d'accord. Et pour les maisons, la mousse, sur mon site internet, je ne la vends pas forcément, ça dépend de mes arrivages. D'accord. Sinon, sur le stand, je la vends. Ok, d'accord. Voilà. Donc, en fait, tu vends principalement les coupons illustrés, hein ? Voilà, c'est ça. Voilà. Des coupons simples. Voilà, alors vous avez des coupons de bonne qualité, c'est imprimé sur comme un velours palatine très très doux. Voilà, c'est ça. 280 grammes, c'est un velours léger. Et qui est super agréable à travailler, qui passe en machine à 30. À 30 degrés en machine, vous voyez, il y a vraiment même un spécial couture. Voilà. Voilà, il y a plein de choses et pour les enfants. Tous les dessins sont de ma création. C'est toi qui les dessines ? Tout, ouais. Ah, donc c'est elle qui dessine ses propres dessins, donc on dit un grand bravo. Voilà, voilà. Non mais c'est super, donc je voulais vous présenter ce stand. Je vous mettrai le lien juste après. Tu as une carte du site de vente en ligne ? C'est génial. Un petit marque-page. Un petit marque-page et il y a le site de vente en ligne. Donc je vous mets les liens juste après la vidéo en dessous. Je vous marque tous les liens. Avec plaisir. Et donc là, je cherche des filles super sympas qui ont lancé leur marque de patron. Mais je suis un peu perdue. Donc on va regarder ensemble. Ça s'appelle Lot of Things. Mais où sont-elles ? Ah ! Je crois qu'elles sont ici.
Donc, je vous montre le concept. Sur ça, on va aller bosser. Allez, à plus. Donc, c'est Lot of Things. Vous les avez certainement vu déjà parce qu'il y a des modèles qui circulent sur Instagram et Facebook. Donc, en fait, elles font des patrons. Elles sont deux. Je vais bientôt vous les montrer. On va pas les embêter trop, mais je vais vous les montrer. Les voici. Elles sont super sympas. Donc, c'est qui s'occupe de la partie patron? Ça, c'est moi. C'est toi. Et toi, tu fais? Le graphisme, site internet, tout. Voilà. Tout. On se complète. Voilà, chacune sa partie. Donc, l'univers, vous voyez, il est vraiment très joli, très fait main, en fait, parce qu'on a beaucoup de carton et puis un petit rose. Je vous montre les modèles. Voilà, je vais vous mettre le lien après pour aller sur leur site. Vous aurez toutes les infos sur la vidéo. Et là, vous voyez, alors elles sont sur Instagram, Facebook, bien sûr, elles sont partout. Hein. Et donc leur slogan, c'est de créer ensemble. Hein. We make together. Voilà, voilà. Et elles s'appellent Hermine et Amandine. Voilà, donc là, il y a le site de vente en ligne qui s'affiche. Elles vendent du PDF ou du pochette, c'est comme vous le souhaitez. Et je vais vous montrer les modèles. Donc, vous avez par exemple cette superbe jupe. J'ai vu les tutoriels hier, donc, parce qu'il y a le patron hein, qui a découpé, mais c'est super bien expliqué. Après, vous avez vraiment tout pour réussir. Avec des formes assez originales en plus. Et là, on est dans un thème un peu western country. Et c'est nouveau, mais il y a du tricot maintenant aussi. Donc il y a même du tricot pour celles qui sont adeptes de tricot. Une petite jupe aussi bien sympa. Oui, bonjour tout le monde, bonjour. Donc je vous montre le salon Creativa de Nantes. Pour celles qui arrivent en cours de route, vous pourrez regarder la vidéo après. Je vais mettre les liens de toutes les boutiques sur lesquelles je vous emmène. J'ai fait ma sélection de coups de cœur. Voilà, voilà. Donc, à mon avis, vous en entendrez parler. C'est une marque qui va se développer. Vous voyez, c'est très sympa. C'est votre emblème, là? La mascotte. Et voici la mascotte que vous retrouvez derrière. Vous voyez, vous pouvez voir sur l'affiche également. Comment elle s'appelle? Lotti. Lotti. Voilà. Donc, je vous mets les liens des sites juste en dessous sous la vidéo. Merci, les filles. Merci. À bientôt. Bon, le salon est assez bien fait et il est assez bien garni en tissu, en kit. Bien sûr, il y a beaucoup de kits. Il y a des stands de wax. Là, c'est créé à quatre mains. Il y en a beaucoup qui connaissent, je pense. Donc sur Créa 4 mains, vous avez des petites fermetures. Super sympa. Et là, on a les nouveaux... Bon, ça, vous connaissez, je dis nouveau, mais c'est quand même sorti depuis un petit moment. Les Miyako, donc le concept de la hanse qui permet de fabriquer un sac juste en nouant des nœuds dans les trous de la hanse. Voilà, donc ils vendent, regardez, une hanse, un carré pour faire un sac. Donc c'est sans couture et c'est 35 euros. Et là, je vous montre le stand de wax. Voilà, voilà. Moi, j'essaie de pas trop filmer les gens. Donc, c'est assez grand. Il y a toute une partie là où il y a cuisine. Il y a des strass à coller, là. Je sais plus comment on dit. Bah, du strassmania. Là, il y a toute une partie bijoux à fabriquer. Des petits kits. Il y a Fifi Jolipois. Voilà. Et il y a toute une partie porcelaine. Peinture sur porcelaine. Il y a vraiment plein de choses. Il y a eu énormément de monde pendant ces 3 jours. Encore plus que les autres années.
Voilà, donc par exemple, là, il y a un site laperledesloisirs.fr. Voilà. Donc ils ont vraiment plein de choses si vous voulez aller voir leur site internet. Bonjour à toutes. Ah, et voici mes licornes. Donc ici, vous avez Perrine du magazine Idées à faire. Et vous avez Karine du magazine Idées à faire. Bonne journée à tous. Venez nous voir si vous êtes dans le coin. Voilà, donc elles sont super sympas. Il y a une super ambiance. Et elles seront sur le salon également à Paris, au CSF. Et puis sur plein d'autres salons. Donc ça, vous pouvez retrouver sur le site d'Idées à faire. Vous retrouvez les dates de salon. Et sur mon blog, vous avez un code promo trop super pour vous abonner au magazine. Mais je vous en dis pas plus. Alors ça, c'est notre espace atelier avec Idées à faire. Voilà, voilà. Tout à l'heure, il va y avoir des ateliers pour enfants ou adultes, hein, puisqu'il s'agit de créer un poisson volant. Et là, vous voyez, Idées à faire fait découvrir un nouveau produit, la pâte à colorier Pendo. Donc j'ai Emmanuelle qui me dit qu'elle est derrière moi, donc je vais bientôt la rejoindre, puisqu'apparemment j'ai quelqu'un qui est là pour me voir. Je vous montre juste Oriane, qui aujourd'hui va faire un atelier sac, un superbe sac qu'elle a créé. Hein. Voilà. C'est exceptionnel, je ne ferai pas de sac. Ah oui, non. Mais voilà, elle crée son modèle de sac, voilà. Il sera bientôt peut-être disponible, ce sera une surprise. Et là, elle est en train de préparer les kits. Parce que je suis toujours très en avance, moi. Oui, Oriane, elle anticipe tout. Donc je vous la montre, hein, pour que vous la voyez en vrai, elle va vous faire un petit coucou. Salut, ça va? Ouais, ça va bien. Voilà, bah, elle te dise bonjour aussi. Oh, merci. Et donc, Oriane, ce matin, va faire un atelier sac. Voilà. Et bientôt, peut-être son patron sera disponible, mais je vous le dirai quand ce sera le cas. Voilà, donc on a la chance de travailler avec Veritas Machine à Coudre. Donc pareil, Veritas Machine à Coudre, ils nous prêtent tout le temps les machines à coudre sur les salons. C'est une marque qui existe depuis très longtemps, plus de 150 ans. Et ils sont sur le marché français depuis peu, mais leurs produits sont vraiment d'un bon rapport qualité-prix. Vous pouvez aller voir dans la partie code promo sur le blog, il y a des codes promo pour les machines à coudre Veritas. Ensuite, on a fait des démonstrations de ScanCut, enfin Dodinette a fait surtout des démonstrations de ScanCut. Donc toujours en partenariat avec Creative Découpe. Et là, c'est une presse. La ScanCut, c'est pas mal. Bon, je vais vous faire un petit coucou et puis je vais vous laisser. Voilà, donc je me mets dans le photobooth d'Idées à faire, regardez-moi ça. C'est pour prendre des photos. Donc il y a une licorne ici. Et les gens, ils font leur création et après ils se prennent en photo. Donc je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. Si vous avez des questions, vous me les mettez sous la vidéo, je vais répondre ce soir ou demain sans faute. Et je vous mets tous les liens des magasins que j'ai vus sur le salon. Et puis n'hésitez pas, hein. Et je passe vos bonjours à Oriane, il n'y a pas de problème. Et Dodinette n'est pas là, donc je ne peux pas vous la montrer, mais peut-être dans la journée, on ne sait pas. Bonne journée à tout le monde, passez un bon week-end. Au revoir.